Et rebonjour monde! J'espère que vous allez bien, les amis, en ce dimanche. J'espère que vous avez passé une superbe journée. On s'est vu en du temps de midi, les amis. Je vous ai posté ma première vidéo du jour du temps de midi. C'est la seconde du jour, les amis. Ça faisait un moment que j'avais pas posté deux vidéos en un seul jour. Eh ben, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Ça y est. Enfin, oui, c'est fait maintenant. À l'heure où on se parle, à l'heure où je suis en train de gratter, c'est encore pas fait, mais ça sera fait à l'heure où vous regardez la vidéo. Donc là, on en est au groupe D de Lily Coupe, les amis. Jackpot vs Astro et Maximo Croisé vs Objectif Maison. Donc je rappelle que ces 4 tickets vont tous s'affronter. Ça fait 3 matchs chacun à l'issue de ces matchs. Donc groupe D, il y aura un classement. Donc comme chaque groupe, les deux premiers sont qualifiés en 8e de finale. Et les 4 meilleurs 3e de chaque groupe, donc il y a 6 groupes les amis, seront également qualifiés. Et les 8e de finale, ça sera par exemple, s'il y a en 8e de finale, il y a le jackpot contre le millionnaire, et ça sera 2 jackpots vs 2 millionnaires. Ça fera première mi-temps, deuxième mi-temps et tout. Et voilà, on passera vraiment aux choses sérieuses. Et j'espère que ces petits matchs vous plaisent. Aujourd'hui, il fallait pas louper la vidéo de midi parce qu'il y a eu un joli ticket, les amis. Premier joli ticket de la compétition, les amis. Dès le groupe C, les amis. Beau ticket. J'espère qu'on va en faire de même avec ces tickets. Ça voudra dire que ce dimanche nous porte vraiment chance de ouf, les amis. Donc, s'il y a une vidéo à ne pas louper parmi mes récentes vidéos, si vous voulez vous mettre à jour, commencez par la vidéo qui est sortie à midi, les amis, le groupe C. C'est parti, j'arrête ma flûte. Donc, le jackpot face à l'Astro, on va commencer par l'objectif pognon face au Maximo Croisé. C'est parti, mon kiki. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, tranquillement, tranquille. Nous, on a reçu la belle famille, les amis. Enfin, la famille de... pour moi, c'est la belle famille, mais pour Bernadette, c'est sa famille tout court, les amis. Enfin, je veux dire, c'est sa maman et sa sœur, Dame Ginette. Et sa maman, et puis... Oh, déjà 6 boules pour l'objectif pognon, les amis. Est-ce que c'est un beau ticket ce dimanche? C'est magnifique, les amis. Dès la première case, la bouée, la bouée, la bouée. Allez, on vise plus qu'un ticket à 6, là. On vise le ticket à 15. Deux fois le train, 6 et 6, 12. 12 boules. Je vais m'étouffer, les amis. Dans la besace, Bernadette. L'objectif maison est pas là pour rigoler, les amis. C'est les petits tickets et les tickets les moins préférés qui font fureur dans cette compétition. Mais on vise les 30 boules maintenant. Hein. Maintenant, on vise les 30 boules, les amis. Et ça serait mon record sur ce ticket. Magnifique. Eh ben, dis donc, ce dimanche, dommage qu'il n'y ait pas de tirage d'euros millions, de choses comme ça. Tiens, il faut que je mise sur les matchs. Hier, le Luxembourg, enfin, ça m'a écœuré, les amis. J'ai osé miser Irlande-Luxembourg. Je sais, c'est de ma faute. J'aurais pas dû miser parce que je trouve des belles cotes. J'avais trouvé la Turquie. Avant-hier, j'avais trouvé la Roumanie. On trouve des belles cotes. Et puis, au final, voilà, après un match, des matchs de petites équipes, c'est un ticket, les amis, à 30 boules. Regardez, 6 et 6, 12 et 6, 18. Mais il est joli. Décidément, aujourd'hui, c'est la collection. Je ne sais pas ce qui se passe. Les amis, Bernadette, tu restes bien à la maison, t'es toujours là au moins. Il y a Anguille sous roche là, les amis, il faut que je me pose des questions, j'ai pas l'habitude. Sapin et vague. On risque de revoir du ciboule, voilà, sapin, ciboule. C'est incroyable, dis donc, aujourd'hui c'est la journée, les amis. C'est un truc de fou. Donc on est à 24 et normalement il resterait un ciboule, normalement. Attendez, alors sapin et vague. Donc là on a sapin. Ok. Oh, c'est joli, les amis. Ballon, valise. C'est Tilly Coupe porte-bonheur, hein. Truc de ouf. Valise, voilà, 6 boules. Le compte est bon. 6 valises, 6 sapins, ça fait 12. 6 piano. Non, étoile. Ça fait... Bah, attendez, je vous dis n'importe quoi, les amis. J'ai loupé quelque chose encore. Attendez, sapin 6, non mais c'est ça, hein. Valise 6, ça fait 12, ah oui c'est ça, 12, plus 6 là, 18, plus 6 là, 24, plus 6 avec l'étoile, 30 boules dans la besace, Bernadette, l'objectif pognon, l'objectif maison, qui n'est pas mon ticket préféré, qui est loin d'être mon préféré, fait 10 points dans cette compétition, les amis. Et on est déjà en bénéfice sur la session, c'est magnifique, quelle journée exceptionnelle ce dimanche, les amis, c'est un truc de fou. C'est parti pour le Maximo Croisé. Il a fort à faire. Hein. Va falloir faire minimum, minimum 50. 5 mots, pourquoi pas? Oh, imaginez. Même pas 50, ça ferait égalité. Oui, voilà, minimum 50 pour que ça fasse égalité. 10-10. Truc de fou, les amis. Truc incroyable, mais vrai.
tout cas, l'essentiel, c'est de prendre du bénéfice, hein, les amis, la compétition. On compte les points pour tous ceux qui suivent et puis pour faire des éliminés, faire un petit truc sympa, mettre un petit peu de piment. Mais elle reste, les amis, si on est en bénéfice, c'est magnifique. Jouez vraiment avec modération. Avec modération. Alors, les amis, on a du E, on a du A. Ah, il n'y a que le I que nous n'avons point. Ok. Donc, il y a des autres lettres qu'on ne doit pas avoir qui sont importantes, des autres consonnes. Donc, là, le I, je vois qu'il y en a quand même pas mal. Clé. Ben, vous voyez, on n'a pas de L. Eden. Dites-moi qu'on a du D. J'ai vu qu'on avait du N. Non. Mais on n'a pas la N. Mythique, on n'a pas de I. Et moi, froid, lueur. On venait de dire, je crois qu'on n'avait pas de L, c'est ça? Donc on n'a pas. Il n'y a pas de lueur d'espoir. Face, on a le S et le. Ah non, il n'y avait pas le S là. Ah oui, le S, on ne l'a pas, les amis, ok. Flop. Ce ticket est-il un flop? Donc on a dit qu'on n'avait pas de L. Ego. On l'a. Lily Coupe, les amis, c'est un tournoi. C'est le tournoi des mini tickets, les amis. C'est un truc de ouf. D-U. C'est marrant. Ça me permet de gratter plus souvent des tickets que habituellement je gratte pas, les amis. Et que vous, vous préférez peut-être. Parce qu'il y a, voilà, il en faut pour tout le monde, les amis. C'est ça qui est bien. Avec ce type de compétition, c'est ça le point positif. Et on aura vécu un dimanche exceptionnel, les amis. C'est un truc exceptionnel, les amis. Truc de fou. Bon, ben, il y avait celle-là à regarder, mais bon, si vous l'entendez, forcément, c'est que vous la regardez. Hein? Faut pas sortir de Saint-Cyr pour en faire cette déduction. Mais. Oh, Nazen! Allez, j'espère que c'est pas le seul. Franchement, magnifique. Si tous les dimanches pourraient être comme ça, les amis. Alors. Donc, ok. Ensuite, on a quoi de beau, les amis? Qu'est-ce qu'on a de beau? Et on a battu notre record à l'objectif maison. C'était 15 notre record sur l'objectif maison. Ben ça y est, c'est fait. Il n'y a pas de S, hein, on a dit. Je vois qu'il y a fête. On n'a pas de S, hein, c'est dommage. Parce que c'est fête au pluriel. On n'a pas de I, on l'avait dit. Donc globe, on n'a pas de L. Usé, on n'a pas de S. Force. Bon, on a tout pour force. Il est gagnant aussi ce ticket, les amis, c'est magnifique! Minimum 5 boules dans la besace! Minimum! C'est magnifique, cette histoire! Voilà, là vous voyez bien normalement. Alors ensuite, allez, on va aller chercher d'autres mots. Sol, on n'a pas, on a dit qu'on n'avait pas de S. Plaire, c'est le I que nous n'avons pas. J-U-S, allez, c'est simple, c'est efficace. J-U. Ah ben non, on n'a pas de S, on l'avait dit, les amis, donc on n'a pas osé. Jetons non plus. Est-ce que ce sont des faux, Bernadette? Des faux jetons? Non, veto, on n'a pas. Ourlet. Un ourlet, avez-vous un ourlet à faire sur votre jean, votre. Être. On a être, c'est minimum 10 boules, pourtant le maximum croisé. Ben juste, il n'a pas eu de chance d'être tombé sur son chemin, sur l'objectif maison. Enfin, surtout sur ce ticket de l'objectif maison. Ben, c'est ça le hasard. Hein. C'est un tournoi total hasard, les amis. Toutes les années, on va se refaire ce tournoi si vous appréciez bien. Et toutes les années, ça sera jamais le même dénouement. Et surtout, jamais les mêmes configurations. C'est vraiment le hasard total. Ben. En même temps, je vous apprends rien. Je pense que je vous apprends rien. Navette, est-ce qu'on peut augmenter notre capital? Non, on n'a pas le V. Hein. Eh ben, Thibault, on prend. Hein. Ça fait une belle session, surtout, les amis. Ça fait une super belle session. Comme quoi, les petites sessions sont. C'est où que j'avais vu Navette? Ah, c'était là. Navet, moi je suis un navet, mais il y avait la navette aussi, les amis. Donc là, trois mots, ça fait 10 boules dans la besace, Bernadette. Déjà, très beau duel entre l'objectif maison. 8 € de grattage, rien que les deux. Il reste l'astro et le jackpot, les amis. 8 € de grattage, rien que les deux. On en récupère 40. Déjà, 32 € de bénéf, rien que sur ça. On va voir si ça va augmenter notre bénéf ou diminuer un petit peu notre bénéf avec ces tickets. Mais en tout cas, on est bien. En tout cas, on est sûr d'avoir un bénéf de plus de 20 €. C'est énorme, c'est énorme. Voilà, 10 boules plus 30 boules, 40 boules dans la besace, Bernadette. Et donc, on est à, je vous dis pas de bêtises, comme on a fait 30, c'est fois 10, donc 10 points pour l'objectif maison. Hein, il fait 30, il fait 10 fois sa mise, donc il prend 10 points.
Maximo croisé, 2 fois sa mise, puisqu'on prend 10 euros, il fait 2 points. 10 à 2 pour l'objectif maison dans le premier match, les amis. 10 à 2, l'objectif maison, malheureusement, qui met quasiment un pied en 8e de finale avec ce résultat. Tout comme l'a fait un certain ticket du temps de midi. Je vous laisse aller regarder la vidéo. C'est parti, Astron a choisi le verso de Kerian. On va voir si ça porte bonheur face au jackpot. Magnifique. Alors, passionné, affectueux, intelligent, on a un verso et énergique. Donc là, on n'a rien sur l'astro. Ah, air, peut-être que ça manque pas d'air. Ah, dommage, j'y ai cru. Quand la première case qu'on gratte, c'est le bon symbole. On se dit peut-être, peut-être, mais non. Mais non, mais non, mais non. Zéro boule sur l'astro. Premier ticket perdant. On va voir le jackpot, ce que ça dit. Jackpot numéro 27 en plus, les amis. Grosse dédicace, le 27. Il va être gagnant. Il est peut-être les 100 boules. Pour que... On est trop gourmand, je sais, mais pour clôturer le tout, ça serait encore plus merveilleux, les amis. Après, vous allez me dire, à ce compte-là, pourquoi pas les 500K ? Alors, le 12, le 20, le 19, le 32, le 40 et le 22. Sachez qu'avec tous les tickets où c'est minimum, parce que là, si on gagne, c'est minimum 10 euros. Donc, ça marque minimum 2 points. Parce que la proba est un peu plus difficile à gagner. Est un peu plus difficile à attraper, on va dire. Le ticket gagnant est plus difficile à choper. Donc du coup, comme il coûte 5 euros le ticket, ben, c'est minimum 10, donc c'est 2 points directs. Un ticket comme ça ne peut pas rapporter 1 point en fait. Comme le kit ou double, on compte 2 points pour les 5 euros, si on gagne le kit ou double par bonheur. Et pareil pour le... c'était lequel l'autre? Il y en avait un autre. Ben, mais, le bingo, le bingo. Ah, 43, non, j'y ai cru. 39 non plus. 36 non plus. Moi aussi, je suis belle, Malo. Non. Oh. Je suis pas belle. Ah, beau, d'accord, merci, mon amour. J'ai cru que j'étais aussi belle comme maman. Alors, 12, 20, 19, 32. Je sais pas si vous avez entendu, il a dit à Bernadette, t'es belle, maman. Ça, c'est, il fait le faillot quand il veut demander quelque chose, les amis. Il commence à venir vers nous. T'es belle, t'es beau. Puis après, je veux ça, je veux ça. Alors, les amis, 12, 20, 19. Rien du tout. 40 et 22. Rien du tout. Bon, ben, le maximo croisé, l'objectif maison, qui était... C'est ça la particularité de cette compétition, les amis. C'est que le maximum croisé, on a fait 10 euros avec, mais il va se retrouver avec 0 points parce que malheureusement, il est tombé sur un objectif maison en folie, les amis. 30 boules sur ce ticket à 3 euros, les amis. Donc 10 à 2 pour l'objectif maison face au maximum croisé et 0-0 entre le jackpot et l'astro. Et ben du coup, les deux s'en sortent bien avec un point au final puisqu'ils ont fait match nul. Pourtant, ils sont bredouilles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est marrant dans cette compétition. Ça change un petit peu. Et donc, 40 euros de récupérer sur, donc, on a misé 10, 15 euros. On a misé que 15 euros sur cette session, les amis. Ben oui, c'est ça. En plus, j'ai pas l'habitude de faire des petites sessions comme ça. Mais ça change aussi. Ça permet de, voilà, de... Ils sont trop bons, les gars. De voir si on est plus gagnant sur chaque session en faisant des plus petites sessions. Vous voyez ce que je veux dire? Limiter chaque session, en fait. Ça veut pas dire qu'à la longue, on sera plus gagnant. Au contraire, largement moins. Mais en misant 15 euros, on en récupère 40. On fait 25 de bénéf. Que demander de plus, les amis? Je crois qu'on va faire les sessions tous les dimanches, là. Tous les dimanches, ça va être les lits coupes, les amis. En tout cas, ça nous porte très, 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 très bonheur. Demain, rendez-vous avec le groupe E, composé du cash, du maxi goal, du solitaire et du goal. Et certainement qu'il y aura une deuxième vidéo avec le groupe F. Comme ça, on aura fini déjà le premier tour dès demain. Avec le millionnaire, le Vegas, le mot croisé et le x10. Donc demain, le cash affronte le goal. Le maxi goal affronte le solitaire. Et le millionnaire affrontera le x10. Et le Vegas affrontera le mot croisé à 3. Des beaux matchs, franchement, que des beaux matchs. En tout cas, prenez soin de vous. D'abord, un petit point sur le classement. Donc premier, sans surprise, l'objectif maison, 3 points plus 8 de goal average. Deuxième, jackpot astro égalité. Donc je mets deuxième et troisième alors qu'ils sont égalité, c'est pareil, un point chacun, 0 de goal average puisqu'ils ont pris 0 but, ils en ont marqué 0. Et le maximo croisé, malgré son gain à 10 euros,
Et pour l'instant, dernier du groupe avec 0 points et moins 8 de goal avantage. En tout cas, prenez soin de vous. Ça va permettre de mettre en lumière peut-être des tickets que habituellement je gratte pas beaucoup. Donc, c'est peut-être une bonne chose. À voir à la fin qui va se retrouver en tête si ça va changer un petit peu des autres tickets. C'est vraiment la grande surprise générale. N'hésitez pas à aller pronostiquer sur lotof.fr. Vous pouvez remporter des lots, les amis, lotof.fr. Vous faites vos pronostics. C'est dans divers, vous cliquez sur l'onglet divers, plus illicoupe, puis tournoi illicoupe. Bon, par contre, il faut vous enregistrer si vous n'êtes encore pas enregistré sur le site. Et puis sinon, y a un deuxième concours sous la vidéo du tirage au sort. De toute façon, elle est simple, vous cliquez sur mes vidéos, sur ma chaîne vidéo, onglet vidéo. Vous allez la retrouver facilement, c'était il y a 3-4 vidéos. Tirage au sort où je suis avec Maître Lucas, les amis, mon neveu Lucas, huissier de justice du tirage. On a fait un petit délire. Et ben du coup, sous cette vidéo, vous mettez carrément, il y a juste à mettre votre pronostic du ticket gagnant du tournoi avec combien il va faire au total sur l'ensemble de ses matchs. Donc c'est-à-dire s'il fait des poules jusqu'à la finale, eh bien, il y a quand même 7 matchs, 3 matchs de poules plus 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale, ça fait 7 matchs. Donc voilà, la somme peut-être pourquoi pas sera élevée. En tout cas là, c'est parti, c'est bien parti avec l'objectif maison et c'était bien parti ce midi avec un certain ticket. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je veux pas spoiler. Les amis, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne nuit. Tough la win. Oh, l'antenne.